started. I want to see you whip and shout it. Salut tout le monde pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter du coup l'intégralité des créations donc en forme de box donc sur chaque saison de la 11 à la 15 donc une série de créations que j'ai entamée il y a quelques temps et donc là ça y est c'est la vidéo bilan. Vous venez de voir du coup toutes les photos que je fais au début des vidéos créations de chaque création donc vous les aviez déjà vues. Mais là, je vous ai toutes remis à la suite. En tout cas, voilà, j'espère qu'elles vous auront plu. Et du coup, là, je vais vous montrer le système d'assemblage parce que, à part sur Instagram, vous ne l'avez pas vraiment vu. D'abord, je vais vous remontrer, du coup, chaque création. Donc, on a ici celle sur la saison 11, chapitre de Feu. Donc, la scène où Kai se fait absorber ses pouvoirs par Asphira. Donc, ça, c'était la première création. Ensuite, on a celle sur la saison 11, chapitre de Glace. Hop, comme ceci, donc une scène, donc la scène où Lloyd s'apprête à affronter Zane en tant qu'empereur de glace, avec du coup Akita, comme ceci. Ensuite, nous avons la saison 12, comme ça. Donc ça, c'est la scène où Nias va mourir, en fait, donc dans le jeu vidéo. Mais voilà, donc c'est cette scène que j'ai représentée, donc quand ils viennent de mettre les trois Keitana, comme ceci. Ensuite, nous avons la saison 13, hop, donc Master of the Mountain, comme ceci. Donc la scène du combat entre le Skull Sorcerer et Cole, voilà. Donc je vous montre pas très longtemps parce que si vous voulez les voir en détail, vous avez toutes les vidéos sur la chaîne. Ensuite, on a celle sur l'île inconnue, comme ceci. Donc, les ninjas qui marchent dans la jungle avec Tim le Toqué. Hop, voilà. Et pour finir, nous avons celle sur Seabound. Hop, juste là. Donc, celle que vous avez vue mercredi, hein, là on est dimanche. Et du coup, voilà, ça c'est la dernière. Le moment du coup où Nia fusionne avec l'océan. Et donc, on va rester avec cette création, puisque maintenant, je vais vous montrer le système d'assemblage. Alors, on peut faire de la saison 11 à la saison 15, ou de la saison 15 à la saison 11. Tout dépend comment on veut l'assembler. Moi, je vais mettre la saison 15 en bas, et ensuite, je vais régresser jusqu'à la 11. Voilà, et donc là, on a celle sur la saison 15. Ensuite, du coup, celle sur la saison 14. Hop, alors, je vais un peu rapprocher pour l'assembler. Hop, ça va être un peu compliqué. Alors, comme ceci. Et voilà.
pareil de l'autre côté. Donc déjà, ça prend pas mal de hauteur, comme ça. Donc là, on a les deux qui sont assemblés. Ensuite, on va venir prendre celle sur la saison 13. Et donc, celle-ci, on vient aussi la mettre au-dessus. Donc ça fait vraiment une très très grande création. Ça forme la plus grande création que j'ai jamais faite, en fait. Hop, comme ça. Donc là, ça commence à vraiment prendre forme. Donc voilà, là, j'ai vraiment reculé parce que sinon, on va vraiment rien voir. Et après, je pense que je vais devoir prendre le trépied dans les mains parce que ça va être impossible à vous montrer. Hop, donc je rapproche juste pour l'assemblage. Comme ceci. Hop, donc on ajoute la saison 12. Voilà. Franchement, je suis très très content du résultat. Je trouve que ça rend vraiment très bien. Hop, donc j'ai encore reculé un peu. Voilà, donc pour ça. Et là, maintenant, on n'a plus qu'à ajouter la saison 11. Et donc, on prend d'abord le chapitre de glace. Hop. Comme ça. Voilà. Donc, ça va faire assez stable. Comme ça. Et on termine avec le chapitre de feu. Voilà. C'est très compliqué à filmer, mais bon. Je fais du mieux que je peux. Hein. Hop. Alors, je pense que je vais le mettre tout au fond. Voilà. Et même là, ça va être dur de montrer en entier. Voilà un peu pour tout ça. Et ensuite, la touche finale pour quand même refermer le tout proprement. J'ai fait un petit couvercle. Comme ceci, donc assez simple, assez lisse et tout. Avec du coup au milieu une grille avec le logo Ten Ninjago Years. Et ensuite, quand même, pour mettre Maître Wu, parce qu'il est dans aucune création, bah, je l'ai mis là, donc Maître Wu saison 11, posé à côté, donc comme s'il venait marcher sur le toit. Et du coup, je vais l'assembler tout là-haut. Et donc, voilà toutes les créations assemblées. C'est juste énormissime. Je suis super content du résultat. J'espère en tout cas que ça vous plaît. Moi, je suis vraiment super content. Ça a pris pas mal de temps de faire chaque box. Mais franchement, je trouve le résultat assez ouf. Je suis vraiment très 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 content. En tout cas, j'espère que vous aussi, vous êtes satisfait du résultat. Hein, parce que ça fait maintenant un bon moment que chaque semaine, on découvre une de ces créations. Et j'espère voilà que vous n'êtes pas déçus du résultat final. En tout cas, voilà, une très grande création, puisque ça forme une seule et même création. La plus grande que je n'ai jamais fait. Parce que pour les créations de Design Ninjago, j'en avais fait plus. J'en ai fait 19 au total, sauf que je les avais pas gardées montées en même temps. Et on n'avait pas pu les assembler ou quoi. Donc là, vraiment, c'est la plus grande que j'ai jamais fait. Et je suis très heureux du résultat. Voilà, donc j'espère qu'en tout cas, ça vous a plu. Je vous mets quelques visuels à la fin de la tour assemblée. Voilà, donc au début, vous avez eu pour chaque création. Là, vous aurez des petits visuels de la tour complète. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à lâcher un petit like, à partager la vidéo. C'est super important parce que vraiment, j'ai mis beaucoup de temps à faire cette création. Donc, ça me ferait très plaisir. N'hésitez pas également à aller voir mon compte Instagram Brilliant Studio officiel. Et bien évidemment, à vous abonner à la chaîne. Ça me ferait super plaisir. Et moi, sur ce, je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde.